Et plop les gens, de retour sur Céleste, face B, toujours, on a fini la cité abandonnée dans le dernier épisode, et dans celui-ci, on va commencer le site ancien. D'ailleurs, si j'en crois ce récapitulatif, il n'y a pas de fraises dans les faces B. Donc ça me rassure énormément de me dire que j'ai pas en plus de la difficulté extrême à chercher les fraises à des endroits bien compliqués. Voilà, juste pour voir, il y avait quand même les checkpoints si on veut reprendre plus tard, si jamais on se rend compte qu'il y avait quelque chose par exemple. Je ne sais pas. Donc le site ancien. Ici, je suppose que c'est la même chose. Et là, pareil, il n'y a rien. Oups. Ok. Il nous apprend que à la fin des Dream Blocks, on peut sauter. On n'est pas obligé de faire un dash. Ouais, mais là, c'est mort. Non, faut que j'attende de descendre pour le dash de celui-ci. Oh là là. J'ai refait en diagonale alors que je voulais faire tout droit pour m'assurer le coup justement. Ah non! Ah! Ah zut. Aïe aïe aïe. Non, 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 non. Ah zut. Thank you.
Non, trop. C'est possible de lâcher trop ici. Je pensais que j'allais crever, bon bah je suis crevé un peu plus loin. Non mais non. Non, je peux pas m'arrêter. Ah, dommage. Ça va. Ça devrait le faire. Mais non! Non. On est d'accord que... Ouais. Ça ne fonctionne pas. Ah, ce sont satisfaisants de réussite. Donc là, faut sauter à la sortie du bloc. Et après... Ne bébé. Voilà. Si on aurait pu s'agripper en face. Oh d'accord. Là où il fallait pas. Ouh, de justesse. Non, dommage. Non, faut pas sauter par exemple. Là, il faudrait... Ah, presque, c'était full droite qu'il fallait. Ah non, trop tôt.
m'étonne ce niveau parce que... Bon, je me suis loupé une fois, mais dans l'idée, quelle est la difficulté? Ouais, non, faut que je me tâche, faut que je tâche vers le bas. Ah! J'ai lâché. Je lâche? Je lâche ma gâchette? Ah! Non, bah je sais pas. Ok, j'ai réussi à louper la régène. Ah, punaise. Ah, dommage. Ah, mais non. Ok. Rester le rattraper. Oh, les pics, j'ai visé les pics. Aïe, aïe, aïe. C'était risqué. C'est pas pour ça qu'il faut pas que le coup d'après j'y aille par petits bouts. La la la. Les musiques sont super belles, même la phase B là, les remixes.
ça donne envie de les acheter, mais de l'autre côté, on a tellement souffert dessus que je ne sais pas trop. Alors, allez. Bah c'est mort, mais la double diagonale c'est mieux. Ah dommage. Ah dommage. Jusque là j'étais confiant pour la phase C, maintenant Ah non, c'est le saut là qu'il faut faire. Maintenant, s'il y a vraiment une phase C, je suis un peu désespéré. Non, pas désespéré, mais je sais pas si j'y arriverai vraiment. À la faire en live, en enregistrement et tout. Déjà rien que pour moi, je sais pas si je réussirai à la faire alors. Bref, on va voir. Ah non, il faut, suffit de descendre là. Enfin, suffit. Ça reste un trou béant rempli de pics. J'ai bien fait de pas utiliser mon dash. Alors. Si je monte tout en haut, après... Si on voit à gauche là, c'est un peu bizarre. Si on voit à gauche, je sais vraiment pas. Mais non. Mais non, faut pas dasher, faut pas dasher, faut pas dasher. Mais maintenant que j'ai dashé, c'est la merde. Faut que j'aille tout en haut après. Sont marrants. Ok. Là, c'est ma faute. Ouh. À droite, en diagonale. À droite, en diagonale, gauche. Ok. Ok, dans l'idée, je vois.
parallaxe sur le... sur les dream machins. Il y a au moins 3 niveaux de parallaxe. Ouais. Déjà, on commence très bien. Maintenir l'autre direction. Non, c'est en diagonale. Et je pouvais m'agripper avant. Avant, je suis moins sûr. Ok, on est à la fin du niveau. Attendez. Ah, ok. Ah, ce genre de timing là, double... Ah, ce genre de timing, c'est affreux. Le dash était pourri. Ok, il y a juste ça à faire, on va dire. Une fois qu'on est en haut, c'est bon, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de...
Ah, c'est super dur à mon goût. Ce truc. Parce qu'une fois là-haut, ouais. Ah non, j'y étais. Ah, j'y étais. Yes, je l'ai eu. Lune noire qui se lève. Chapitres, mais je n'en étais pas sûr. Du coup, on va quand même pas faire plus d'un chapitre à la fois. On sait jamais. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu. Si vous voulez être tenu au courant des dernières vidéos qui sortent ou des prochains streams, si vous voulez participer au stream sur Twitch, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, à me suivre sur toutes les plateformes qui vous intéressent, que ce soit Peertube et YouTube pour la VOD, plutôt l'un ou l'autre. Twitch pour les streams en général, si j'en fais quelques-uns sur Peertube, en général c'est plutôt du code, donc... Si vous êtes là que pour les jeux vidéo, ça vous intéresse pas trop. Et Discord, c'est là où il y a un peu tout qui est rassemblé. Mastodon aussi. Twitter, je fais des annonces, mais j'avoue que je suis pas très présent réellement sur la plateforme. Voilà. À bientôt.